à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un tout nouveau DIY, et oui ça faisait super longtemps que je vous en avais pas fait un, qui consistera à fabriquer ses propres lingettes multi-usages pour le corps, pour l'intimité, pour le visage et éventuellement pour les fesses de bébé. Donc ces petites lingettes elles se présentent comme ceci, elles sont donc avec, donc c'est des lingettes réutilisables. Elle ressemble à ceci. Donc si cette petite recette vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Alors voici les éléments qu'il va vous falloir pour fabriquer vos lingettes multi-usages. Donc il va vous falloir 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. Donc vous pouvez le trouver sur le site d'Aromazone. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, donc que vous pouvez trouver partout dans tous les magasins. Prendre une base comme celle-ci, donc celle-ci elle a été achetée à Aromazone, sinon vous pouvez prendre tout simplement un savon bio dans votre magasin habituel. Ensuite il vous faut 2 cuillères à soupe d'huile de coco, 10 gouttes de vitamine E, ça c'est facultatif, c'est dans le cas où vous allez conserver longtemps votre préparation. Ici c'est optionnel, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree, donc d'arbre à thé. Il va vous falloir forcément des lingettes, donc moi j'ai pris des petites serviettes que je vais découper. Et il va vous falloir une boîte, donc un tupperware dans lequel vous allez mettre vos lingettes. Donc moi j'ai trouvé un tupperware qui est comme ceci, avec une ouverture, ça va me permettre de tirer tout simplement mes lingettes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire un trou sur le couvercle pour tirer tout simplement vos lingettes. Et bien évidemment, il va vous falloir de l'eau. Donc soit prenez de l'eau minérale, soit vous faites bouillir votre eau pour la purifier. Là on va commencer par découper nos lingettes. Donc moi j'ai pris des petites serviettes qui sont comme ceci. Alors pour les découper, moi j'ai pris la dimension de mon tupperware qui est quand même assez étroit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc replier ma serviette comme elle était et je vais la plier en trois, en deux plutôt, ici une et deux. Donc quand je vais découper comme ceci. Ma préparation donc dans mon récipient et je vais revenir mettre mes lingettes à l'intérieur. Voilà, et maintenant je vais simplement les noyer. Donc là je vais essayer de secouer pour que le liquide soit bien homogène sur toutes les lingettes. Si vous voyez qu'il manque de l'eau, vous rajoutez de l'eau. Maintenant terminé, j'espère que ce DIY vous aura plu. Donc je vais vous faire un petit test pour vous montrer que les lingettes fonctionnent. Donc je vais prendre simplement un de mes rouges à lèvres et je vais m'étaler un petit peu de rouge à lèvres sur ma main comme ceci. Voilà, vous voyez. Et je vais prendre une lingette. Voilà. Et je vais venir tout simplement nettoyer ma main avec ma lingette. Donc j'arrive ici et je frotte.
Et voilà, la tâche est partie. Donc ça peut vous donner une idée au niveau de la performance de la lingette. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous fabriquez vos propres lingettes. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !